Hey hey hey, ça vous fait YouTube, je suis Suzucube et je suis super content de vous retrouver pour un petit spécial Muse Dash. Alors Muse Dash c'est un jeu d'action musicale et je me suis trompé de profil, j'aimerais bien avoir mon vrai profil. Ce que je découvre en fait, j'ai juste fait des tests pour voir si le son passait bien. Et une fois que j'ai vu que ouais, le son était bon, j'ai fait Here we go directement. Alors, visiblement, il faut un casque pour y jouer. Et là, je vais jouer sans casque, avec le son pas très fort, pour que vous puissiez, vous, avoir un son de qualité correcte. En tout cas, la première chose qui m'avait... Enfin, c'est un jeu que j'ai reçu un communiqué de presse dessus, tout simplement, de la part de l'éditeur. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup le chara-design. Et comme j'aime les jeux de rythme musicaux, enfin, les jeux musicaux, tout simplement, de manière générale, je me suis dit que, ouais, ça me semblait être un truc à tester. Donc, c'est parti. Alors, hop. Non. Non, ça ne coïncide pas. J'ai du delay, c'est marrant. Ah, parce que je suis après, d'accord. J'ai surtout l'impression de ne pas être super constant en fait. Écoutez, je crois que je vais mettre à zéro. Et on va essayer de s'habituer tout simplement parce que... When you have the accent, press A. Non, en fait, c'est bien ça, hein, j'ai un délai. Voilà, c'est ça. Bon, allez, hop, here we go. Ouais, je veux. À mon avis, il y a peut-être des chances que ce soit mieux utilisé directement sur l'écran de la Switch qui doit directement être déjà synchronisé. J'entends pas la voix, la musique est plus forte que la voix qui est en dessous. Ok, alors, hit the point. Quoi? Ah, fallait deux en même temps. D'accord, j'ai compris. En fait, c'est juste au bas, quoi. Oui, y a un truc qui me... Je suis dégoûté. Il y avait mon chargeur, je l'ai mis sur mes pieds, ça a donné un coup de jus. En fait, je comprends pas toujours ce qu'il faut faire, c'est ouf. Pour moi, ils ont fait une erreur, c'est C'est qu'en fait, on comprend pas toujours s'il faut être en haut ou en bas, quoi. D'accord, fallait le frapper plusieurs fois, quoi. Je dois avoir le score le plus nul du monde, putain. Je suis un peu déçu parce que vraiment ça avait l'air cool. La musique est cool. Le problème de la plupart des jeux de rythme musicaux, c'est que c'est pas intuitif. Et là, c'est pas intuitif parce que au bas, en utilisant les boutons à droite ou à gauche, ça n'a pas de sens. Bon, maintenant j'ai compris que c'est pas forcément Y, c'est n'importe quel bouton du côté droit en fait.
Alors tuer les deux, c'est chaud. Ah oui, putain. Et moi, j'ai envie de frapper en sautant avant. J'aurais dû faire au bas aussi, sinon, tout simplement. Cette fois-ci, ça a dû passer. Par contre... Ah, c'est peut-être un jeu smartphone à la base. On a de l'anglais, du chinois, du coréen, du japonais. C'est ça que je voulais, contrôle. Ah bah voilà. On a plein de schémas différents. Et on peut faire au bas. Ah voilà, nickel. Et touchscreen, t'as soit au bas comme ça. Logiquement, ce serait comme ça. Ah oui, d'accord, t'as un time selon le TV mode. Putain, et maintenant le truc est bon, tu sais. Allez hop. Bon, moi c'est bon. Ouais, il y a les achievements, il y a les trésors. Il y a les persos. Enfin non, c'est des bonus pour ton perso. Ah oui, d'accord, je l'ai pas encore unlocké. Et t'as les persos. Ils sont vraiment cool en termes de chara-design. Rin Bassis, Bad Girl, Sleeping Girl. Ah, elle est cool, mais je l'ai pas débloqué. Bunny Girl. Ah, mais c'est tout le temps Rin en fait. Christmas Gift. Bureau. Ah, bureau, c'est une autre en fait, d'accord. Franchement, Cara Design déchire. Il y en a qui sont un peu suggestifs quand même. Un peu beaucoup même. Oui, j'ai appuyé sur A pour essayer de la prendre. Ah, Modem Morrigan dans la série des Capcom. Merde, je voulais pas. Marija. The Girl in Black. Ouais, c'est. En termes de chara design, je kiffe vraiment. Je peux en prendre aucune en fait. Même elle, je peux pas. C'est noté. Alors j'ai fait aucune musique, d'accord. Même la première, je l'ai pas encore faite. On est en easy ou en hard direct. Easy, s'il vous plaît. Donc là, je vais rejouer, mais cette fois-ci, au moins, les touches, c'est vraiment au bas, quoi. Et je pense que ça va être beaucoup mieux pour la compréhension, quoi. Mais ça les deux, bordel de merde. Ouais, je préfère quand c'est au bas.
En fait, c'est vraiment facile du coup. Tout ça, je le mange, tu sais. J'ai quand même l'impression d'être vachement. Oh putain, je l'ai pas vu arriver lui. Pas beaucoup de perfect ça. Par contre, la bande son est vraiment excellente. La bande son est déchire. La bande son déchire, le chara design déchire. Concept de musique, je suis pas encore vraiment sûr. En fait, ils me disent d'appuyer sur Y pour avoir accès au store. Et ah, il y a déjà quelqu'un en ligne. On va essayer de se faire un. Ah, je crois, au moment où j'ai eu le jeu, il n'était pas encore sorti. Je vais pas commencer par une erreur. Hein. C'est dommage que pour un replay, il y ait un chargement. Et bon, rien de bien méchant. Et je dis ça, je me suis gouré à nouveau. Ah, le rythme a changé. Merde, j'ai du mal quand il y en a deux. Je pense que j'ai fait moins bien que l'autre score. Je sais pas si on pouvait voir mon score en ligne, mais. Okay. J'ai pas des scores de ouf. Hein. On va essayer de s'améliorer sur le troisième. Une fois que tu as bien positionné tes mains, c'est bon.
C'est sympa, hein, vraiment. Ah, je l'ai raté. Les sessions sont courtes aussi. 84-90, je croyais que je suis premier. Je crois que non. Hein. Ah si, je suis premier. Ah d'accord, ça se débloque en termes de level. Donc default musique, c'est musique par défaut. Cute is everything. Appuie Otaku Pack. Il y a l'air d'avoir énormément de musique. Allez, on teste le flat design. Ça a l'air très très riche en termes de musique. Mais même en termes de design, de level derrière, c'est vraiment cool. Ça apprendra à dire que c'était trop facile. J'en ai raté un. Donc pour ceux qui s'inquiètent, oui, il peut y avoir du challenge. Les sensations sont vraiment bonnes par contre. Merde. Ah, c'est des fantômes! Bon, il reste plus beaucoup d'énergie. J'ai cru voir un chat avec un autre chat faire des trucs très bizarres sur un des toits. Merde! En haut, il y a une barque, t'allais voir où on en est dans la musique. Honnêtement, je pense que je tiendrai pas. J'essaie de me concentrer. Ah putain. Ça me donne le score ou faut terminer la musique quand même? Ouais, là faut la terminer. Franchement, elle est dure celle-là. Thank you.
La bande son est magnifique. D'accord, on peut mettre des musiques en favoris s'il y en a qu'on a vraiment aimé. Enfin, j'aime bien, ça me rappelle un peu du Hatsune Miku. Ah, j'aime pas le... Putain, le level d'air est dégueulasse par contre. Les réactions à l'écran sont assez bizarres des fois. Faut vraiment garder les ennemis et pas les mouvements du perso parce que même s'ils retournent, ça compte pas, c'est vraiment le rythme. Là, je comprends pas pourquoi il y en avait trois. Non, j'ai pas déjà fait ce... J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà fait ce... Je pense que c'est la réutilisation des mêmes boss, ça c'est pas terrible par contre. On va pas se mentir, moyen. Voilà pas. Tu le sens le truc impossible? Tu vois, ça m'attire. Les univers en fait du jeu m'intriguent. Botan et miniatures sont cool. Quand je suis dans le niveau même, bah, j'ai l'impression que c'est quand même à peu près les mêmes ennemis. Hein. Les musiques sont vraiment entraînantes. J'ai attrapé froid en Martinique, je suis fort. Ah, j'en ai marre de rater des trucs comme ça. Cette musique-là est super agréable à faire. Vilaine! C'est barré avec son bison enflammé là. T'as 83 seulement, je suis déçu!
Est-ce que quelqu'un... Ouais, je suis seul. En fait, je suis premier à parcourir toutes les musiques. Vous voulez qu'on essaye ensemble? On va aller retourner dans les musiques par défaut. Il est là. Voilà. Du coup, la nouvelle, on avait trois. Hein. On avait celle-là aussi, parce qu'il doit avoir mon nom. Voilà. Et la nouvelle, c'est celle-là. Ça, c'est level 3. Je crois que tout le monde s'est dit, bon, on va tester en hard ce que ça donne. Donc moi aussi, je vais mettre en hard pour voir. Parce que là, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est... en fait, c'est un camp hard. Putain, il est joli comme niveau. J'aime bien les effets parallax, en fait. Ça va, en hard, en fait, le jeu me paraît... Ils auraient pu appeler ce mode la normale, quoi. Ça m'a l'air de plus correspondre au rythme de la musique. En plus, tu t'habitues rapidement au jeu. Oh putain, il y a pas un moustique en même temps, je vous assure. Ouais, non, c'est hyper divertissant. C'est vraiment une bonne surprise comme jeu. C'est cool qu'ils aient pensé à faire en sorte que tu puisses changer les touches. Du coup, ça devrait correspondre à tout le monde. Alors, tout le monde à 90%, 91%, moi je suis dernier. Regardez, oui d'accord, il y a vraiment que ce mode de jeu par contre. On s'en fait un dernier pour la route. Ça m'inspire, voilà. Allez, allez, pap, 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 pap. Par contre, c'est dommage qu'ils réutilisent les mêmes niveaux. Je vous explique que c'est super chaud en fait. Ça fait un peu n'importe quoi à l'écran. Ah, mais en fait, faut juste ne pas se faire toucher. En fait, ce qui nous tue, c'est de nous faire toucher. Donc si tu sais qu'il y a un truc que tu vas rater...
C'est n'importe quoi, putain! Allez, on essaie de résister. Hardcore. Mais c'est faisable. En recommençant encore et encore et encore, c'est largement faisable. On va faire un petit tour, voir si j'ai pas débloqué quelque chose. Quoi, caractère chips? Ah oui, d'accord. Par exemple, là, il faut que je récupère 8 avions. Donc c'est à chaque level up, tu vas finir par débloquer un personnage. Normalement, j'ai l'avion et j'ai vu que j'avais reçu un autre truc. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Ah bah c'est là. J'ai les... D'accord, j'ai 8 bandages et les autres trucs que j'ai là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? 3 filles sur le toit pour un examen. D'accord, parce qu'en plus, quand je vais aller déverrouiller tout, ça va me donner... Non, pas accès à des photos. Je sais pas pourquoi là, il y a une photo spéciale. Ça s'appelle les petits trésors. Enfin, voilà. Alors, quoi? Est-ce que je peux déverrouiller? Ah, c'est peut-être pour... Ah, d'accord, oui, là, les crânes de mort, c'est pour déverrouiller l'elfe, par exemple. Je vois. Ça aurait donné une bonne durée de vie au jeu, parce que... Il y a quand même un paquet de musique. Même si malheureusement les environnements sont pas aussi diversifiés que je l'aurais aimé. Voilà. Bon, sur ces belles notes de musique, moi je vous laisse. Je vous dis à tous les otaku. N'hésitez pas à passer sur otakugame.fr pour le test de ce jeu. J'espère vous voir bientôt sur otakugame.fr. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Vous savez déjà les bails. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tous les otaku. Et à bientôt sur otakugame.fr. Ciao, bye bye.